Bonjour tout le monde, c'est Ando. Je suis ici île Saint-Louis pour Morning Kiss avec Notre-Dame en arrière-plan. J'espère que vous voyez bien. Un beau cadre pour vous parler d'un petit truc que j'ai appris à faire à Londres et que je trouve était très utile pour ces messieurs qui veulent aborder une inconnue dans la rue et qui veulent avoir un peu plus de chance de taquiner et de créer un petit lien entre vous et la fille. C'est une petite astuce qui est très utile. Et il s'agit de trouver un serment pour la fille. Un petit serment, ça crée un peu de fun, c'est léger, c'est marrant et ça montre que vous pouvez taquiner un peu. Et donc dans l'idéal, un petit serment qui est marrant, qui fait rigoler, mais aussi plus profond, c'est plus profond parce que ça crée un petit lien entre vous deux. C'est comme un jeu entre vous et la dame que vous avez abordée dans la rue. Et c'est tellement fort parce que là, quand vous envoyez le premier message, vous pouvez, plutôt que de dire salut Marie ou salut Louise ou comment elle s'appelle, vous pouvez dire bah, salut mademoiselle Chanel par exemple. Donc mon exemple, c'était justement ça. J'ai rencontré une femme dans la rue il y a quelques semaines. Et moi, ce que j'ai fait en fait, c'était de donner un petit surnom en fonction de ce qu'elle faisait. Et justement, elle portait un sac Chanel. Elle avait fait des courses, c'était une touriste à Paris. Elle fait du shopping de chez Chanel et j'avais vu qu'elle avait un sac Chanel. Et du coup, c'était une belle approche. J'imagine que tu viens de faire le shopping dans tous les magasins de Chanel de Paris. Et justement, elle m'avait dit qu'elle avait rendu visite à presque toutes les boutiques Chanel de Paris. Et elle était accro. Et donc, c'était marrant. Et dans le premier message, j'ai dit « Salut mademoiselle Chanel, comment ça va ?» Enfin, il y avait deux, trois autres trucs, mais c'était juste un super petite accroche. Ça crée les liens entre vous, mais aussi ça souvient tout de suite à la fille, ça rappelle tout de suite à la fille qui vous êtes. Au cas où, enfin, franchement, vous allez prendre le numéro, vous allez envoyer le message. Souvent, on me dit, est-ce que je dis que voilà, c'est Fred ou c'est Marc ou c'est Andrew, je t'avais abordé l'autre jour, c'est un peu relou, c'est un peu trop. Donc, un petit surnom que vous lui aurez donné pour la taquiner un peu, ça peut créer vraiment un beau petit lien entre vous et la fille. Et ça taquine un peu aussi. C'est quelque chose qui est marrant, c'est comme une petite blague entre vous dont personne n'est au courant. Vous avez remarqué qu'à l'école, vous donnez souvent des surnoms à vos potes ou aux nanas dans vos classes. Aussi, il y a souvent entre couples de petits surnoms qu'on donne l'un à l'autre. Donc c'est vraiment quelque chose qui passe super bien dans le couple et dans la séduction aussi, dans l'amour. C'est quelque chose qui est fun, qui est léger, qui taquine et qui est marrant. Donc je vous conseille de le faire. Ça peut concrétiser un peu plus le numéro, la réponse et la relation entre vous. Donc voilà, une petite astuce de la journée avec une belle arrière-plan de Notre-Dame. J'ai visité sous le soleil. Il y a deux filles qui vont juste marcher derrière moi, donc je crois que je vais juste aborder avant. Donc peut-être une prochaine vidéo pour vous raconter comment ça se passe. Le gros loup qui parle à lui tout seul dans la rue, qui va aborder, c'est ce Morning Kiss. Allez, à la prochaine fois. Ciao, bisous.